Alors là, j'ai représenté deux nombres. Hein. Il y en a un au-dessus de cette ligne pointillée, et puis un deuxième en dessous. Alors, pour savoir ce que c'est que ces nombres-là, en fait, il faut comprendre que là, chaque barre ici contient, il y a 10 carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bien ça. Donc finalement, chaque barre ici, c'est une dizaine. Et donc là, j'ai deux dizaines. Donc ce nombre-là, c'est deux dizaines. J'écris comme ça. Et puis là, je vais compter le nombre d'unités. Ici, il y a une, deux, trois unités. Chaque euh, carré représente une unité. Donc finalement, le nombre qui est là, c'est ce nombre-là. Deux dizaines et trois unités. Deux dizaines plus trois unités. Là, cette position-là, c'est la position des dizaines. Et ça, c'est la position des unités. Donc c'est ce nombre-là qu'on dit aussi 23. 23. Alors. En dessous, bah c'est le même système. Hein. Là, j'ai combien de dizaines J'ai une dizaine ici, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines. Donc finalement, ici, j'ai quatre dizaines. Quatre dizaines. Et puis, je vais compter le nombre d'unités. Alors, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, le nombre qui est écrit en dessous de la ligne pointillée, c'est ce nombre-là, 45, quatre dizaines et cinq unités. Voilà. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, en fait, c'est l'addition de ces deux nombres. Alors, je vais, je vais le faire. Hein. Donc, ce que je dois faire, c'est quatre... Euh, C'est 23 plus 45. Faire comme ça. Donc je vais me servir de, de ce dessin qui est là. Donc je vais faire la même chose hein, en posant comme ça. Alors si je regarde, je, vais, je peux commencer déjà à additionner les, les unités. Donc j'ai ces trois unités qui sont là. Je vais, les, je vais les prendre. Et je vais les copier en dessous. Donc je les mets là. J'ai déjà ces trois-là. Et puis je vais prendre aussi les cinq unités du nombre 45. Donc ces cinq unités-là. Je les copier et je les mets ici. Ça sera le nombre d'unités que j'ai en tout. Voilà. Alors, du coup, je peux compter combien j'ai d'unités. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, ça, c'est bien parce que je peux dire qu'ici, en fait, j'ai huit unités. Et effectivement, ben c'est ce, ce que je vois quand j'additionne ici ce 3 plus ce 5 en colonne, comme ça, 3 plus 5, ça fait effectivement 8. Donc je retrouve comme ça mes 8 unités que j'ai matérialisées ici, que j'ai dessinées ici avec ces carrés. Voilà, alors maintenant je vais regarder, je vais faire la même, le même travail avec les dizaines. Donc j'ai déjà les deux dizaines du nombre 23, donc ces deux-là, que je vais copier et mettre ici. Et puis il faut que je prenne aussi les 4 dizaines du nombre 45, donc ces quatre dizaines-là. Voilà, alors je les copie et je les place ici. Voilà. Alors maintenant, il suffit que je compte combien j'ai de dizaines en tout maintenant ici. Hein, j'ai les 2 du nombre 23 et les 4 du nombre 45 donc en tout j'en ai une 2 3 4 5 6 j'ai 6 dizaines et effectivement que si je regarde ici ce que ce qui se passe c'est que j'ai mes deux dizaines plus mes 4 dizaines ça me fait effectivement 2 plus 4 ça fait 6 dizaines donc finalement là j'ai réussi à faire cette addition colonne par colonne hein. j'ai d'abord additionné les unités 3 unités plus 5 unités ça fait 8 unités et puis j'ai additionné aussi les dizaines j'avais deux dizaines ici plus les quatre dizaines ici je me retrouve donc avec 2 plus 4 ça fait 6 dizaines voilà et c'est exactement ce qu'on fait ce qu'on voit hein, quand on dessine les dizaines et les unités comme on l'a fait ici Là, on a effectivement pris nos 3 unités plus nos 5 unités. On les a placées ici. En tout, ça fait 8 unités. 3 plus 5. Et puis ensuite, on a fait la même chose dans la place des dizaines. On a pris nos 2 dizaines plus nos 4 dizaines qu'on a réunies ici. Ça fait en tout 2 plus 4, c'est-à-dire 6 dizaines. Voilà.